这是对人生的多变，我跟那个啥被你骂，这上面的啥都没见，记得住吗？有啊，你骂在这把一坐一那边，这大大钱钱的那嘛，坐那就不得了。我说你骂在那就对不对？当前最后那你去咋去？Je viens de franchir le premier ressaut. J'ai réussi. Pour les Tibétains, les montagnes ne se gravissent pas. Le mont Everest est sacré. Nous l'avons toujours protégé. Aujourd'hui, gravir l'Everest est devenu à la mode. Que voulez-vous que je vous dise ? En tibétain, l'Everest s'appelle Chomolungma, qui signifie déesse, mère du monde. Durant des siècles, aucun Tibétain ne s'est aventuré dans l'ascension de sa face nord, à la fois effrayante et majestueuse. En Chine, l'école des guides de montagne tibétaine est unique en son genre. Son directeur, Poubou, est un alpiniste éprouvé. Il forme 47 élèves qui viennent des coins les plus reculés du Tibet. Poubou espère pour eux qu'ils sauront saisir la chance d'un tourisme de l'Everest en plein boom. Recommence. Vas-y. Trop vite. Si tu vas trop vite, ça te ralentit. Doucement. Croise un pied devant l'autre, comme ça. La discipline et l'obéissance sont des qualités indispensables pour le formateur. Jour après jour, il relève le défi d'entraîner ces jeunes garçons au métier de porteur et de guide de haute montagne. Sordor est en dernière année. Sa formation est gratuite, en contrepartie de sa participation active aux expéditions. Allez, vas-y! Le concurrent est en sixième classe de l'école des guides du Tibet. Sordor a tout misé sur cette formation. Ma famille vit au pied de l'Everest. Je le voyais quand je gardais les moutons. C'est une montagne que je vénère. Si je reste paysan, je vais devoir travailler dur pour très peu d'argent. On ne gagne pas bien sa vie comme ça. J'aime gravir les montagnes. C'est pour ça que je suis ici. Maintenant, je rêve de vaincre l'Everest. C'est mon rêve. L'école des guides est située à 7 km du centre de Lhasa, où se trouve le palais de Potala, résidence d'hiver du Dalai Lama et lieu de pèlerinage de tous les Tibétains. Lhasa est une ville pleine d'attrait pour les jeunes Tibétains. La première fois que je suis venu à Lhasa, j'étais bien trop terrorisé pour m'éloigner de l'école. J'avais peur de me perdre dans toutes ces rues. Je n'ai jamais mis les pieds dans une ville avant de venir ici.
Celle-là coûte des années de salaire. 5 années de salaire. D'ici là, on aura peut-être mis quelques milliers de yuan de côté. J'étais fasciné par la ville. Si je compare à mon village, c'est le paradis ici. Mon horizon s'est élargi en vivant ici. Je sais très bien que je dois travailler dur. C'est la liste des expéditions sur l'Everest. Je vais monter jusqu'à 8300 mètres. On va accompagner un groupe de 6 Chinois. On va les aider à atteindre le sommet. Tu vas réussir à monter jusqu'à 8848 mètres ? Pas sûr qu'ils me donnent ma chance. Sordor est déçu. Il voulait être guide et accompagner les gens jusqu'au sommet. Mais il ne sera que porteur, comme l'année dernière. Tant que je serai ici, il faudra m'obéir. Quand je serai parti, vous pourrez faire ce que vous voudrez. Poubou fait un dernier appel des règles de discipline. Il pense que Sordor a encore quelques progrès à faire dans ce domaine. J'ai dressé la liste des règles de conduite au quotidien. Lisez-les attentivement. Mettez-le dehors. Celui qui ne les appliquera pas aura une amende de 50 yuan. Il faut vous faire couper les cheveux. Le premier qui ne fait pas ce qu'on lui dit prend la porte. Sordor, il faut que tu te fasses couper les cheveux. Tu ressembles à rien. On dirait un gangster, comme dans les films. Il faut aussi que tu te rases. Coupe-moi cette barbe. Elle repousse trop vite. Plus je me rase, plus elle repousse vite. T'as qu'à te raser plus souvent alors, tous les jours, tiens. Et si tu ne te rases pas, je m'en chargerai personnellement ce soir. Sordor a de grandes capacités. C'est un bon grimpeur. Il ne ménage pas ses efforts. Mais il a un côté effronté. Couplet très court. Mon maître dit qu'ils sont trop longs. Il veut pas de tresse, mais tu peux m'en faire une quand même. Voilà, c'est bien comme ça. Il n'y verra que du feu. J-1. Une fête est organisée avant le départ, et malgré son côté rebelle, Sordor a accepté de revêtir le costume traditionnel tibétain. Les cars qui acheminent l'équipe d'encadrement et tout le matériel mettent 2 jours à atteindre le pied de l'Everest. Ha ha ha!
Avec les 60 membres de l'équipe de travail, Sordor monte le camp à 5200 mètres d'altitude. Ce sera leur refuge durant les deux prochains mois. Il se trouve directement au pied du versant nord de l'Everest, celui qu'il s'apprête à conquérir. Maintenant que le camp est installé, les Sherpas ont encore une mission incontournable à accomplir. La visite du monastère de Rongbuk, l'édifice religieux le plus élevé au monde. Ce monastère est l'un des plus grands sites sacrés du Tibet. Guru Rinpoche, qui a introduit le bouddhisme, a médité ici. Il a aussi désigné la divinité Dakini comme protectrice de l'Everest. Guru Rinpoche a laissé les empreintes de ses pas sur ses pierres. On distingue ses doigts de pied. 1, 2, 3, 4, 5. 30 cm de long. Là, c'est la légende de sa naissance dans l'océan. Et là, vous voyez Guru Rinpoche avec Yeshe Tsogyal, la déesse des montagnes. Ils sont allés en Inde et en sont revenus sur les ailes de cet oiseau sacré. Vous voyez son cou, son ventre, sa queue et ses ailes. Ils n'ont mis qu'une seule journée. Les alpinistes et les touristes viennent ici pour prier. Je ne connais pas leur motivation. Ils observent les rituels, surtout les alpinistes. C'est peut-être parce qu'ils ont peur. Ils allument une bougie et ils prient. Comme tous les autres, Sordor est convaincu que la bénédiction du sceptre laissé par Guru Rinpoche garantit sa protection ainsi que celle de l'expédition. Pour que tout se passe bien pendant l'ascension, nous prions la sainte déesse de la montagne de veiller sur nous. Nous nous plions à des rituels particuliers pour lui rendre hommage. Nous prions pour que cette expédition se déroule bien. On sacrifie à un ultime geste rituel avant le coup d'envoi. Arrimer et hisser des cordelettes munies de petits drapeaux de prière tout neufs pour remplacer les anciens. Le vent doit porter leur message jusqu'à la déesse des montagnes. Tous ont l'espoir qu'elle leur pardonnera cette ascension et qu'elle les protégera. Tout est fin prêt pour l'arrivée des 6 touristes chinois. Bien joué. Super boulot. Ce sont des larmes de joie. Nos clients sont riches. Ils déboursent plus de 30 000 livres pour faire cette expédition. On va très bien les entourer pour les accompagner jusqu'au sommet. On va veiller sur eux comme si c'était nos enfants. De quoi prendre un peu de force. Ensuite, on va faire une petite promenade et on mangera plus copieusement cet après-midi. Quelques bières, ce ne serait pas de refus. Tandis que les alpinistes essaient de s'acclimater et se reposent du voyage,
Sordor et les autres Sherpas étudient l'itinéraire dans ses moindres détails. Tous les membres de l'équipe du camp de base figurent sur ce programme, du départ jusqu'à maintenant. Mais pour aujourd'hui, il n'y a encore rien. Les Sherpas sont très compétitifs entre eux. C'est à celui qui grimpera le plus haut avec les touristes. Ceux qui restent au camp de base gagnent le moins. Ceux qui travaillent dans les camps plus en altitude gagnent plus. Plus c'est en haute montagne, et mieux c'est payé. Ceux qui atteindront le sommet auront le cachet le plus élevé, 350 livres. Sordor n'est pas content d'être une fois de plus préposé au transport du matériel et à l'installation des cordes fixes. Pour lui, le plus important n'est pas d'atteindre le sommet. Il voudrait surtout améliorer sa vie et celle de sa famille. Le village natal de Sordor est à 63 km de l'Everest à vol d'oiseau. Mais le jeune homme n'est autorisé qu'une fois par an à y retourner. Son père est venu à sa rencontre. Qu'est-ce que tu transportes dans ce carton? Des haut-parleurs. Pourquoi faire? Je veux ouvrir un bar karaoké avec un ami. Un bar karaoké? Mais oui. J'ai deux garçons et deux filles. Sordor est le petit dernier et le plus extraverti aussi. Il est intelligent et sa formation lui plaît. Il travaille dur et il est très courageux. On n'a pas de problème avec lui. Elles te vont? Elles sont trop petites? La couleur te va bien en tout cas. Depuis qu'il a passé 5 ans à Lhasa, Sordor se sent étranger dans son propre village. Il est devenu un citadin avec plein d'idées de business dans la tête. Tu reviens demain? D'accord, je te rappelle. Combien de temps tu comptes rester? 2 mois. Il veut ouvrir un bar karaoké avec des amis. Ça va être bruyant. Et ça peut nous causer beaucoup d'ennuis. Sordor compte sur un événement qui se tient dans le monastère voisin pour attirer dans son bar karaoké les pèlerins qui ont fait le déplacement. Une fois par an, les pèlerins affluent ici pour voir les moines présenter leur danse des masques. Les dieux incarnés sont censés chasser les mauvais esprits et offrir leur protection durant toute une année. Dans la vallée, Sordor et ses amis attendent les pèlerins de pied ferme, avec l'espoir d'en racoler quelques-uns. C'est une bergerie. On a fini par se décider pour cet endroit. C'est plutôt grand et propre. On a acheté des bâches en plastique pour protéger le toit. Sordor et ses amis veulent faire découvrir à leurs hôtes
un monde qui leur est inconnu. Mesdames et messieurs, veuillez accueillir Tashi. Il va chanter pour nous. On l'applaudit, s'il vous plaît. Merci. Les festivités n'auront duré que 2 jours. Maintenant que les pèlerins sont repartis, la vie du village reprend son cours normal. On n'est pas resté ouvert longtemps, 3 ou 4 jours tout au plus. Mais on est rentré dans nos frais. Et au moins, on a les haut-parleurs. On peut les garder. J'avais un peu peur que ce soit trop long. Il y a trop de gens qui sont bourrés. Maintenant que le bar karaoké a fermé ses portes, il n'y a plus rien à faire ici. Au bout d'un mois, Sordor trouve le temps bien long au village. À l'école, j'ai suivi un cours d'escalade. Après, j'ai réussi le concours d'entrée à l'école de Lhasa. Ma mère n'était pas très emballée par mes projets, mais j'ai tenu bon. Maintenant, il part grimper dans les montagnes. Je lui ai demandé si c'était dangereux. On m'a dit qu'il avait besoin de cordes pour gravir la montagne. Mais qu'est-ce qui se passera si jamais il dévisse? Qu'est-ce qu'on va devenir s'il meurt? Je ne voulais pas qu'il fasse ça. Mais il nous a dit que ce n'était pas dangereux et qu'il serait prudent. Bien sûr que chaque pas est risqué en alpinisme. Le danger est partout dans les montagnes. Mais c'est la voie que j'ai décidé de suivre. Je dois rester positif coûte que coûte. Sordor n'a pas d'avenir au village. Malgré les inquiétudes de sa famille, il n'a qu'une hâte. Repartir dans la montagne. Même si c'est dangereux, je dois monter là-haut. Les échelles relient les âmes des morts entre la vie terrestre et le paradis. Elles sont souvent peintes sur la pierre au Tibet. Ce sont les échelles du paradis. Je me sers des échelles pour monter au paradis. Comme ça, je peux aider mes parents et ma famille à avoir une vie meilleure. C'est le but que je poursuis. Je donnerai le meilleur de moi-même pour ça.
Pour les Tibétains, le mont Everest est sacré. Ainsi le veut la tradition. Pouvoir le vaincre est un signe du progrès. Guru Rinpoche a protégé l'Everest avec sa divinité. Beaucoup de lamas illustres sont venus le visiter. Chaque alpiniste escalade par passion, mais au bout du compte, c'est la course à l'exploit qui est visée. L'Everest est la montagne sacrée au Tibet. Aujourd'hui, gravir l'Everest est à la mode. Que voulez-vous que je vous dise ? Je prie pour que la météo soit de leur côté. Je prie pour la sécurité des alpinistes et du monde entier. L'avalanche s'est déclenchée à 6h45, à 5800 mètres d'altitude. 13 personnes ont trouvé la mort et beaucoup sont portées disparues. D'après les informations officielles, une avalanche s'est déclenchée ce 18 avril sur le versant sud de l'Everest. On déplore 15 morts. Le président de l'Association népalaise d'alpinisme a indiqué qu'il s'agissait du plus grave accident de toute l'histoire de l'ascension de l'Everest. Il y a des avalanches chaque année sur le versant sud. On dirait que c'est plus sûr de notre côté. Il n'y a qu'un ou deux accidents mortels par an. Ça arrive tout le temps. Le mur de glace du col Nord est très meurtrier. Impossible d'y rester longtemps, c'est très risqué. Tu dis n'importe quoi. C'est vrai, non ? Tout le monde est choqué, mais conscient des dangers encourus. Les Sherpas s'efforcent de refouler la peur. Cinq semaines après l'avalanche, l'expédition reprend malgré les mauvaises prévisions météo. Les yaks sont les bêtes de somme de l'Himalaya. Chacun d'eux peut transporter 50 kg de matériel. Pour les 6 touristes et l'équipe, il faut compter 30 yaks, chacun effectuant 10 allers-retours jusqu'au camp avancé à 6500 mètres. Plus haut, Sordor et tous les autres porteurs sont réquisitionnés pour prendre le relais. Où sont les clients ? Derrière, avec le chef d'équipe. À 50 mètres. Tout va bien ? Les 50 derniers mètres. Vous avez bien marché. Le camp est juste là. Si je n'avais pas bêtement changé de rythme hier, j'aurais eu moins de mal pour cette dernière étape. À partir de 6500 mètres, les alpinistes sont confrontés au mal aigu des montagnes. S'ils sont contraints de jeter l'éponge, ils pourront bénéficier d'une ristourne l'année prochaine pour retenter l'aventure. Tandis que les grimpeurs chinois tentent de s'acclimater, Sordor et ses compagnons de portage montent le matériel 2000 mètres plus haut. En 3 jours, ils auront fait 3 allers-retours de 12 heures chacun, afin de transporter préalablement les tentes, la nourriture, les cordes et les lourdes bouteilles d'oxygène.
Je n'arrête pas de vomir depuis hier. C'est de la bile. L'altitude me pompe toute mon énergie. Je suis complètement vidé. Mes jambes sont toutes engourdies. Ma famille a consulté un chaman. Il m'a prédit une année difficile. L'année prochaine sera celle de mon signe astrologique. Mais je suis protégé par des rituels de protection. Sordor voulait se prouver quelque chose, à lui-même et aux autres. Le voici confronté à ses limites, et il n'est pas sûr de réussir. La montagne que nous gravissons est sacrée. J'ai toujours cette amulette sur moi pour éloigner le malheur. L'amulette et le foulard ont été bénis au monastère. J'y suis allé pour prier et un lama me les a donnés. Il m'a dit que si je les portais, les dieux de cette région me protégeraient. Sordor prie pour sa guérison. Même par beau temps, le versant nord est plus dangereux que le versant népalais. Depuis le déclenchement de l'avalanche, le temps s'est encore dégradé. Impossible d'évaluer les risques à présent. Sordor est choqué en découvrant le cadavre d'un alpiniste qui jonche le sol. Mais il n'y a plus de temps à perdre pour atteindre le sommet. Au monastère de Rongbuk, les moines prient pour implorer la miséricorde de la déesse de la montagne et d'autres divinités. Ils sont rémunérés pour redoubler de prières, alors que l'expédition va s'élancer à l'assaut de la dernière étape. Le lendemain matin, Sordor va mieux et il est plus déterminé que jamais. Maintenant, on va vaincre le sommet. Peut-être. C'est sûr. Et s'il ne nous en donne pas la chance? Alors je rentre chez moi sur le champ. T'es sûr? C'est notre tour. Qui voudrait nous arrêter? Sordor ne s'attendait pas à être convié à la réunion qui précède l'assaut final. Ça fait presque 2 mois que nous sommes ici. Et pourquoi? Parce que nous voulons atteindre le sommet. J'ai ici la liste des assistants des guides de haute altitude qui vont au sommet. Il y a Nobu, Tundrop, Gyalbo et Sordor. Sordor a gagné leur confiance. Il a pour mission d'accompagner un client jusqu'au sommet avec un autre guide, plus aguerri que lui. J'aimerais bien accompagner Woki au sommet. Il a promis une prime de 1000 livres à son guide s'il arrive à vaincre le sommet. Ça, c'est pour votre sécurité. Laissez-moi reprendre mon souffle. Bien sûr.
Le dernier camp n'est plus qu'à quelques mètres du sommet. C'est moi qui ai monté la tente, c'est sûr à 100%. Okay. Tout est installé. Merci. T'es en pleine forme. Oui, c'est vrai. Continue comme ça. Le réseau téléphonique fonctionne. Sordor appelle sa mère. Maman ? Tout va bien. À minuit, on va grimper jusqu'au sommet. Regarde si tu ne peux pas accrocher des petits drapeaux demain. Appelle-moi à ce numéro. À minuit, le chef de l'expédition donne le feu vert à l'équipe d'assaut pour gravir le sommet. 8400 mètres. J'écoute. Oui, poursuivez, chef. Priez encore une fois avant de vous lancer. Bonne chance. Sordor semble être au sommet. Suivez-le. Veillez à ce que leurs doigts ne gèlent pas. Oui, chef. Mais pourquoi cette lampe ne fonctionne pas? Je ne vois pas le passage. Il ne voit pas le passage? Alors c'est trop dangereux de monter. Qui est en difficulté? Il y a du nouveau. J'écoute. Deux d'entre nous y sont arrivés. Ils sont au sommet. Félicitations. Mais ne tardez pas. Prenez une photo et redescendez tout de suite. C'est fantastique. Je suis sur le toit du monde. C'est la vue panoramique la plus époustouflante du monde. Félicitations, Sordor.
C'est la première fois que je suis au sommet. J'ai un vœu à formuler. Je voudrais que tous les alpinistes et chacun de nous grimpent au sommet en toute sécurité et restent en bonne santé. J'ai aidé l'équipe nationale d'assaut sur l'Everest. J'ai transporté le matériel à des altitudes que les yaks n'atteindraient pas. C'était un chemin fait de peine et de privation. J'ai 80 ans maintenant. Je prie 5 heures par jour, chaque jour. Je prie pour ma prochaine vie. Je ne fais rien d'autre.